Chaque chantier un bagne, chaque travailleur un esclave, chaque soldat un garde-chiot ou un bourreau. C'était l'Allemagne hier. L'Allemagne, immense prison, inscrivait au cœur de l'Europe les frontières d'un cachot colossal vers laquelle la Gestapo rabattait sans relâche des victimes par millions. Le Reich exploitait et faisait souffrir 6 millions de prisonniers de guerre et 15 millions de travailleurs forcés ou d'adversaires du fascisme hitlérien, déportés, condamnés à la mort lente des camps ou à la mort tragique des tortures, des chambres à gaz et des poteaux d'exécution. Ce n'était pas assez pour les nazis que de faire souffrir, il leur fallait encore humilier. Que dans un seul regard, il reste la fierté, que dans une seule pensée, il reste le refus, et leur victoire était menacée. Les Allemands cherchaient à dégrader les âmes après avoir brisé les corps, et s'ils n'y parvenaient pas, la mort. Un dixième seulement des déportés politiques a survécu. Même si la mort marche plus vite encore à leur rencontre, rien ne pouvait empêcher les déportés d'entendre au-delà de l'horizon s'élever une rumeur d'espérance. Le grondement des batailles se rapprochait, les canons alliés parlaient déjà de vengeance, la liberté montait vers les captifs. Étrange guerre que celle des combattants alliés. En face d'eux, de l'autre côté des lignes qu'ils attaquaient, il y avait presque autant de captifs que d'Allemands, presque autant de frères que d'ennemis. Chacun des coups qu'ils portaient leur donnait la joie de frapper l'adversaire et la crainte de toucher un ami. À chaque instant de l'avance, leur récompense venait au-devant d'eux. Les soldats allemands levaient les bras pour se rendre. Mais parfois, c'étaient les prisonniers d'hier qui capturaient leurs anciens geôliers avec des armes reconquises en même temps que leur liberté. À ces hommes, leur victoire ne donnait pas seulement la délivrance, elle restituait la fierté. Des esclaves, elle faisait des combattants, comme de ces prisonniers du Stalag 5B qui, avec 33 fusils, s'emparèrent de Willingen, 23 000 habitants et une garnison. Oui, si jamais soldats ont su pourquoi ils se battaient, c'est bien ceux de 1945 rendant à leurs frères esclaves la liberté et l'honneur inséparables.
Les Allemands étaient vaincus, mais la mort ne l'était pas. Les nazis, avant de disparaître, lui avaient promis des milliers de victimes encore. Par exemple, il y avait un médecin allemand au camp de Belsen, et sous son règne, il mourait 3000 personnes par jour. Après la libération du camp, ce chiffre tomba peu à peu à 800, puis 400, puis 200. Épuisement physiologique, blessures et coups sans venimant, dysenterie, typhus, et ce qu'un médecin appela la Buchenwaldippe, infection purulente qui entraîne rapidement la mort. Il restait à vaincre tout cela. Ce fut pour les médecins une tâche difficile. Mais chaque fois qu'un sourire renaissait sur un visage squelettique, c'était la plus belle des victoires, celle de la vie. Les captifs libérés se mettant en marche vers leur patrie. Dans la valoche ou le baluchon, ils entassaient leurs pauvres trésors personnels, hardes, chandails, vieux paquets de lettres, la canne sculptée au couteau et en route. Ils la connaissaient, la route qui mène chez soi. C'est la route qu'on apprend par cœur dans les fiévreux préparatifs de l'évasion, la route que beaucoup ont parcourue déjà la nuit par étapes angoissées, jusqu'au jour où la guigne les a fait cueillir par une patrouille de choupeaux ou de SS. C'est la route dont on a remarché les kilomètres dans l'amertume des camps de représailles. Au début, ils marchaient d'un bon pas, gaillards, décidés. Mais elles sont longues, les routes allemandes. Ils ne sont pas costauds, les jarrets du prisonnier de 5 ans. Ils avaient eu les yeux plus gros que le ventre, les jambes moins longues que leur chemin. Ils s'arrêtaient pour faire la pause un peu plus souvent qu'il n'eût fallu. Ils marchaient d'un pas de plus en plus lourd, de plus en plus lent. Les campements de Romanichel au bord des routes où fumaient les feux de 100 tambouilles se grossissaient de traînards, d'éclopés, de malades. Les colonnes montant en ligne avaient peine à se frayer un passage dans cette grande foire du retour. Les troupes engagées attendaient au front les renforts en retard avec de plus en plus d'angoisse. La santé menacée des nouveaux nomades risquait de sombrer dans l'aventure et la victoire était retardée par le chaos qu'ils créaient sur les routes. Les alliés intervinrent alors. Ils donnèrent des ordres. Ils décidèrent la création de centres provisoires de reclassement et de rapatriement, installés dans des casernes réquisitionnées, des usines, des maisons. Les stocks de la Wehrmacht servaient à nourrir les affamés. Les errants déléguèrent des représentants de leur nationalité et des interprètes qui coopéraient avec les officiers d'unités combattantes, transformés soudain en administrateurs internationaux. Il fallait apaiser les rivalités, empêcher les querelles, répartir les vivres, distribuer les couvertures, soigner les malades, trouver du lait pour les enfants. Quand votre métier jusque-là avait été celui de capitaine d'infanterie par exemple ou d'artilleur,
C'était une drôle d'aventure que de se trouver tout d'un coup à la tête de 1000 ou 2000 personnes de tous les pays d'Europe. Dans ces centres, les libérés firent le premier apprentissage du retour à la liberté. Ils prirent leurs responsabilités, désignèrent leurs représentants pour l'organisation du camp. Il fallait avant tout veiller à dépister soigneusement la petite poignée de misérables qui cherchaient à disparaître dans le flot des déportés pour tenter de revenir dans leur pays continuer leur besogne. Les dénonciateurs, les agents de la Gestapo, les traîtres furent démasqués par ceux-là même qu'ils avaient vendus. De l'Elbe et de la Moldère, les Américains et les Russes se rejoignirent enfin. Sur les rives des fleuves où s'était opérée la jonction, les libérés qui allaient regagner de l'autre côté de l'eau la Russie ou les territoires délivrés par les Russes, établirent leur camp. C'était un grouillement de tours de Babel. Une tour de Babel de cages à lapins, de feux de roulottes, de cahutes, de tentes improvisées. On pensait au campement de Bohémiens, au village de Chiffonniers, à la zone. C'était la zone, oui. La zone où des milliers de gens retrouvaient l'espérance. Commissions militaires américaines et russes organisèrent en commun l'immense migration dont le flux et le reflux allaient se croiser sur les ponts de bateaux. Pendant plusieurs semaines, 10 000 rapatriés dans chaque sens franchirent les fleuves, parmi lesquels 292 000 Français libérés par l'armée russe. Ce quadrille de la liberté ramena à leur foyer, souvent détruit hélas, au total 2 400 000 Russes, 1 500 000 Polonais, 330 000 Tchèques, 1 750 000 habitants des pays baltes, 600 000 habitants de l'Europe centrale. Sens, 2 100 000 Français, 570 000 Belges, 400 000 Hollandais, 420 000 Italiens rentraient chez eux pour s'attaquer au dur tâche de la reconstruction de leur pays. Pendant des jours et des jours, deux cortèges sans fin alternèrent sur les ponts, deux cortèges d'hommes désormais libres. Les uns marchaient vers l'est, les autres vers l'ouest. Mais pour tous, le chemin était le même. C'était le chemin du retour et de la liberté retrouvée.
Au bord de la rivière, en plein air, les officiers de la sécurité militaire installèrent leur bureau. Dans ce flot humain, des misérables cherchent à se glisser. Traîtres confondus avec les innocents, bourreaux mêlés aux victimes, dénonciateurs mêlés aux dénoncés. Ouvrir l'œil. Il fallait savoir deviner dans cet éventail de papiers qui venait se déplier sur la table, dans l'inquiétude d'un regard, dans l'obscurité de certaines réponses, la présence d'un traître, démêler dans l'immense écoulement du bon grain la dangereuse ivraie. C'est un visage presque comme un autre, celui d'un ennemi qui parle votre langue. C'est un regard presque comme un autre, celui d'un traître. C'est une main presque comme une autre, celle qui s'est tachée de sang. Mais une question fait blêmir les visages, un mot fait se baisser les yeux, la main tremble de l'homme qui ment. Deux suspects sont pris au piège, ils avouent, les voilà désormais hors d'état de nuire. Détruire les agents de la Gestapo, les tortionnaires, les volontaires de la LVF, les collaborateurs, on employait des officiers de la sécurité militaire. Pour détruire cette autre vermine, celle qui ne propage pas le nazisme, mais les épidémies, celle qui n'apporte pas la mort sous la forme des tortures et des fusillades, mais qui tue aussi efficacement par le typhus ou le choléra, on employa la poudre DDT. Grâce à l'invention et à l'usage de ce désinfectant, aucune épidémie ne se déclara. Il y a le génie, pontonniers, terrassiers, cheminots en uniforme et grâce à eux des trains. Les wagons qui avaient apporté vers le front des obus et des canons ramenèrent vers l'arrière ceux qui avaient été le premier enjeu des batailles gagnées et libérés. Pour chaque tonne de munitions qui était montée vers le front, il redescendit 1000 vivants arrachés à l'Allemagne. Jadis, au temps de la paix, il y avait des trains de plaisir. Ces trains-ci, dont chaque tour de roue rapprochait de leur destin d'hommes libres, ceux dont les liens étaient brisés, ces trains qui s'ébranlaient vers les patries rendues, ce furent les trains de la joie.
Mais pour beaucoup, le chemin du retour, c'est dans le ciel qu'il allait s'inscrire. Quel est le captif qui n'a longuement regardé s'enfuir les nuages dans le vent, les oiseaux dans le ciel, rêvant de les suivre, d'emprunter leur chemin? Ce rêve, l'American Transport Command et la Royal Air Force décidèrent un jour de le réaliser. Le 10 avril 1945 fut entrepris le plus grand transport de masses humaines qui ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'aviation. Des mois d'attente. L'attente, c'est la vie du soldat. L'attente, c'est la vie de répondre à l'appel aboyé par les Feldwebel 1800 fois sans dormir en murmurant « demain ». L'interminable attente s'achevait sur les terrains d'atterrissage. Et maintenant, c'est fini. Et la dernière attente, les yeux vers le ciel, 3 heures vont l'achever, les 3 heures qui, d'un coup d'aile, relient à l'Allemagne des bagnes, la France des longs rêves. Les Français avec leur gaieté gouailleuse, les Anglais, captifs souvent depuis Dunkerque, mais qui semblaient toujours marcher comme à la parade de Buckingham Palace, les Belges, pour la dernière fois en colonne par trois, se mirent en marche vers les appareils. À chaque départ, les 1500 gros transports C-47 de l'armée affectés au rapatriement emportaient 26 libérés sur les banquettes de métal qui les font ressembler à un tramway du ciel. Du 10 avril au 10 mai, 99 000 Français revinrent ainsi. Dans la seule journée du 13 mai, 10 900 rapatriés atterrirent à Paris. En 10 jours, entre le 10 et le 20 mai, ils étaient déjà 73 000 à avoir franchi à 2000 mètres d'altitude les frontières du Reich en route vers chez eux. Où trop de choses vous arrivent à la fois. Pour la première fois monter en avion, et que cet avion soit celui de la liberté, c'est beaucoup. Ils se souviendront toute leur vie de ce voyage, et de la minute où le pilote leur a passé un petit papier, nous survolons la France. Pour leur faire plaisir, il est descendu plus près du sol. « Ah, des toits de France !» a crié le couvreur en apercevant les tuiles de chez nous. Et en reconnaissant les poteaux indicateurs, les voitures, les cours de ferme, la mosaïque des champs, ils ont senti que cette terre toute plate qui défilait au-dessous d'eux était leur patrie. Leur premier pas maintenant, c'est sur son sol qu'ils allaient le faire. Français se sentirent entourés d'affection et de sollicitude. Ils descendirent de l'échelle de fer un peu titubant, éblouis par la lumière, le silence soudain des moteurs arrêtés, la rumeur de ceux qui les attendaient. Ils avaient eu le mal du pays 5 ans, et maintenant ils avaient le mal du retour. Sur chacun d'eux, sur les plus démunis, sur le brancard du déporté politique dont le père et les frères étaient morts en Allemagne, un visage se penchait qui souriait au nom de la France. Et tous ceux qui revenaient et ceux qui les accueillaient pensaient, il ne faut plus jamais revoir cela. Il faut rester unis et vigilants.
ne faut pas que tant de souffrances aient été vaines. Les Français tendaient fraternellement les bras. Rue de Flandre, par exemple, où passaient les autobus qui les ramenaient de l'aérodrome, les gens du quartier avaient, comme dans mille autres endroits, spontanément organisé depuis le 13 avril des quêtes et des ventes aux enchères. Les bénéfices permirent ainsi d'offrir aux libérés 140 000 sandwichs, 500 kilos de gâteaux et 15 000 litres de ce vin de France dont ils n'avaient pas bu depuis 5 ans. Le premier verre de vin, il monte à la tête, oui. Mais quand on vous l'offre ainsi, si gentiment, si délicatement, il monte aussi au cœur. Pendant tout un printemps, la gare d'Orsay, transformée par le gouvernement en centre d'accueil, vit arriver camions et autobus des gares et des aérodromes. En quelques heures, l'examen médical, de la nourriture, des soins, une douche, le repos, préparaient les hommes à la dernière étape du grand retour qui allait les conduire vers leur ville ou leur village. Interminable voyage au bout de la patience, au bout de la douleur, au bout des forces humaines, voici qu'il s'achève pour ceux qui ont pu lui survivre. Il a fallu pour y parvenir beaucoup de sacrifices et de ruines, beaucoup de souffrances et de morts. Mais voici le jour venu, payé d'un prix si lourd. Hommes des peuples libres, combattants, c'est pour cette minute que vous vous êtes battus, que vous avez saigné, que vous avez vaincu. Votre victoire, la voici.